Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc si vous voyez que la qualité vidéo a changé, j'ai un nouvel objectif pour mon appareil photo, je vous l'ai montré sur Instagram, donc voilà, j'espère que ça va aller parce que je suis hyper fan de mon appareil photo du coup, et aujourd'hui je reviens sur Snapchat. Bon, j'avoue avoir été un peu déçue parce que j'avais demandé qu'on ne m'appelle pas sur Snap et il y en a plein qui m'ont appelé, j'ai dû en bloquer, j'ai prévenu 3 fois et après j'ai dit bon bah s'il y en a encore qui continuent à m'appeler je bloque, et il y en a qui faisaient exprès de me chercher en m'envoyant des messages, allez bloque-moi. Donc bon, un peu déçu, mais c'est parti, on ouvre les snaps. Coucou Emma, donc j'avais 2 questions. Combien as-tu de coussins emoji et combien as-tu de maillots de bain? Voilà, bisous. Alors, de coussins emoji, en fait, j'ai tous ceux qu'il y avait sur un site chinois, je sais pas combien j'en ai. Attendez, j'arrive. Je viens de compter, donc j'en ai plus de 10, mais j'en ai certains qui sont en double, et parce que du coup j'en avais pris pour Lily, etc. Mais voilà. Et de maillot de bain, je sais pas, j'en ai pas mal, mais faudrait que je fasse un tri parce qu'il y en a que je mets plus du tout. Je voulais aussi t'envoyer un deuxième snap pour te dire que j'adorais tes vidéos et tes vlogs et continue comme ça. Bisous. Merci. Coucou Emma, donc c'est pour te demander si toi aussi t'allais écrire un livre tout comme une autre youtubeuse. Voilà, et je t'adore, gros bisous. Merci, donc non, c'est pas du tout prévu que j'écris un livre, en tout cas j'aurais pour l'instant pas d'idée parce que sur ma vie ça sert à rien. Donc voilà. C'est pour savoir si tu comptes continuer à faire des vidéos de sport parce qu'elles sont géniales. Bisous. Merci beaucoup. Donc oui, j'aimerais bien faire d'autres vidéos de sport. Peut-être prochainement, j'aimerais bien faire un truc à la salle, mais c'est assez compliqué parce que déjà que j'aime pas trop me filmer devant les gens. Genre si en plus je dois me filmer en train de faire mon sport devant les gens, ils vont se dire mais what, qu'est-ce qu'elle fait? Et je sais même pas si j'ai le droit de filmer à la salle. Bah du coup j'ai pas trop compris la question parce qu'elle m'a dit le rêve que tu as pu faire dans toute ta vie. Bah du coup j'ai pas un rêve que j'ai fait, mais moi mon rêve ce serait d'aller aux États-Unis, voilà. Genre c'est vraiment le truc que j'ai trop envie. Donc normalement ça devrait se faire un jour dans ma vie, j'espère. Salut Emma, j'espère que tu vas bien. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu comptes faire une vidéo avec ton copain sur ta chaîne? Voilà, bisous. Genre ça c'est vraiment la question qu'on me pose genre H24 et je sais pas, à la base j'avais dit oui mais on verra, puis il faut aussi que lui soit d'accord etc. Le nombre d'années d'écart que j'ai avec Lily, donc elle est née en 2010, je suis née en 1997, ce qui fait 13 ans d'écart. Du coup je voulais savoir quelle est selon toi la meilleure chose au monde pour toi et je voulais savoir c'est quoi ton pire souvenir qui t'est arrivé, donc voilà. Pire souvenir, ce serait un truc mais... j'ai pas trop envie d'en parler en fait, voilà. C'est assez personnel on va dire. Peut-être qu'un jour je vous raconterai. Et sinon c'était quoi l'autre question? Qu'est-ce qui est le meilleur selon moi dans la vie? Manger. Non, les trucs que je préfère dans la vie c'est faire des vidéos. Être avec mes potes, mon copain, tout ça, la famille. Manger. Et faire du sport. Voilà. Si je pouvais avoir que ça dans ma vie ce serait parfait. Coucou Emma, je veux savoir si tu étais toujours à la recherche d'un appartement et est-ce que tu en trouves un et aussi est-ce que tu vas vivre avec ton copain dedans? Donc ça j'espère pour septembre et on verra, de toute façon je vais pas trop vous en parler maintenant parce que rien n'est sûr de mon côté, donc voilà je ne m'avance pas mais j'aimerais bien. Salut Emma, j'espère que tu vas bien, je vais te poser une question, si t'allais faire un meet-up cet été ou cette année, voilà je te fais plein de gros bisous, ciao. Donc merci beaucoup, donc pour cet été ça va être chaud parce que là du coup à partir de lundi, bah, le jour où vous voyez ce vlog, j'ai 2 semaines et 2 jours de rattrapage de stage parce que j'avais manqué des jours dans mon dernier stage, donc voilà. Et du coup pour les meet-up c'est pas prévu mais j'aimerais bien en faire, mais le truc c'est qu'il faut trouver maintenant plutôt des marques ou des endroits pour organiser parce qu'on peut plus vraiment faire ça dans des parcs comme avant, parce que ça c'est compliqué les rassemblements avec tout ce qui arrive en ce moment, c'est chaud. Salut Emma, donc je te fais de gros bisous, je voulais juste te dire que moi aussi je m'appelle Emma et je suis aussi née le 29 mars. Voilà, gros bisous. Yeah, je connais pas du tout de fille qui s'appelle Emma qui est née le 29 mars en même temps. C'est fou. Donc je voulais te demander quelle avait été ta motivation pour commencer YouTube. Voilà, gros bisous. Mais en fait j'ai pas eu besoin d'être motivée en fait. C'est juste que je regardais quelques vidéos et il y en avait vraiment pas beaucoup. Je me suis dit allez, pourquoi pas moi. Et voilà. Il faut juste que tu ailles dans mon message et tu pourras appuyer sur mes vidéos parce que sinon tu pourras pas les voir. Donc s'il te plaît, tu verras mes vidéos. Bisous. Alors, bah il n'y a pas tes vidéos hein.
Coucou Emma, je voulais te demander si tu allais faire un live quand pas le temps. Tu pourrais sinon continuer comme ça, t'es trop bon, j'adore, c'est parfait. Bisous. Donc merci beaucoup, et pour les lives, si vous ne me suivez pas sur Periscope, c'est une application qui a pour Android et iPhone il me semble. Et du coup vous pouvez me regarder en direct en fait, et directement depuis votre portable, et c'est hyper bien. Vous pouvez même me regarder depuis internet, et en fait ça publie à chaque fois que je fais un live sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, et si vous n'avez pas Twitter vous pouvez quand même aller regarder mon compte. Donc je voulais te poser la question, quand est-ce que tu comptais arrêter d'être parfait? Trop chou. Continue tes vidéos, elles sont géniales. Bisous. Est-ce que tu peux faire un vidéo avec moi et Lily? Donc une vidéo avec Lily, c'est prévu très très bientôt. Et avec Lou, du coup, je sais pas trop. Coucou, alors je voulais savoir, est-ce que tu comptes faire une vidéo avec ton copain? Et je voulais te dire que je t'adore et je te fais de gros bisous. Bisous. Merci beaucoup, et puis du coup bah, j'ai déjà un peu répondu à la question. Est-ce que je compte faire des meet-up à Nantes ou Angers et faire des vidéos avec ton copain? Genre c'est vraiment tout le temps les mêmes questions qui reviennent quoi. Salut Emma, en fait je voulais savoir si t'allais faire un jour un meet-up en Suisse. Voilà, plein de bisous. Encore une question qui revient. Et là-dessus je pense que ça va être possible parce que c'est pas si loin de chez moi. Est-ce que tu comptes faire un meet-up en Belgique? Sinon tes vidéos sont super, je t'adore. Est-ce qu'avec ta sœur vous allez continuer à faire des vidéos sur votre chaîne? Parce que j'ai remarqué que ça faisait pas mal de temps que vous en faisiez plus, donc voilà. Donc pour la chaîne avec ma sœur, donc on aimerait bien, mais le souci c'est que bah, on a chacune nos emplois du temps différents. Genre là elle est pas chez moi et moi je suis dispo. Les jours d'avant j'étais pas là, elle était là. Ensuite elle va partir en Angleterre, enfin bref du coup c'est assez compliqué. Mais la chaîne n'est pas fermée, il y en avait une fille qui m'a menacée de se désabonner et tout si on faisait plus de vidéos, mais écoutez... voilà, faites ce que vous voulez, mais en tout cas on aimerait bien revenir, mais bon c'est assez compliqué, surtout qu'on a aussi nos chaînes à gérer. Et sinon pour le meet-up j'aimerais trop, je suis jamais allée en Belgique en fait, et j'aimerais beaucoup y aller. Coucou, est-ce que tu veux faire un meet-up en Suisse? Je crois que t'as déjà filmé, mais c'est pas grave, puisque j'adore. Donc non, j'ai pas déjà filmé, et puis du coup bah j'ai déjà répondu. Coucou Emma, pourrais-tu faire un meet-up à Dijon? Et puis sinon continue comme ça, je te fais de gros bisous, bye. Donc Dijon, ça sera pareil possible parce que c'est genre même pas une heure de chez moi. Mais bon, j'espère qu'il y a d'autres questions que les meet-up. As-tu une dédicace, Emma, s'il te plaît? Sinon je te fais des gros bisous. Mais... une dédicace comment? En vidéo? Coucou Emma, est-ce que tu comptes faire des meet-up et un survival avec une autre youtubeuse? Sinon je t'adore. Les meet-up toujours, toujours. Sinon merci, et swap c'est pas du tout prévu. On va regarder un peu, oups, les questions du haut, tiens, pour changer. Coucou Emma, donc qu'est-ce que tu comptes faire des meet-up? Les meet-up. Coucou Emma, donc est-ce que tu comptes faire des meet-up vers Macron ou des... Mais elle l'a posé deux fois, les meet-up, toujours les meet-up. Coucou Emma, alors moi j'aimerais savoir pourquoi tu réponds froidement aux abonnés des fois, même si tes vidéos sont super, gros bisous. Alors le métier que je vais faire plus tard c'est péricultrice, et ensuite que je réponds froidement, c'est un truc qu'on me dit tout le temps. Mais en fait je réponds juste directement, genre je réponds direct quoi. Je vais pas passer par quel chemin, et je vais pas mettre forcément deux smileys, du coup il y en a qui vont prendre mal alors que c'est pas du tout ça. Et il y a aussi beaucoup d'humour dans mes réponses, genre quand il y a des rageux qui répondent et que moi du coup je leur réponds, c'est pas méchant, genre c'est de l'humour, genre en fait derrière mon écran je suis en train de rigoler, mais les gens ils comprennent pas en fait. Faut avoir juste un peu de second degré, c'est tout. Summer playlist, je sais pas parce que bah, j'ai pas forcément chanson spéciale pour l'été, mais une nouvelle playlist, ça viendra. T'es vraiment trop belle, je t'adore, continue comme ça, t'es vraiment super, voilà. Et j'attends depuis ce matin que tu tournes, voilà. Merci beaucoup. J'espère que tu pourras répondre sur vidéo et que tu verras bah, les stats que je t'ai envoyées, voilà. Bisous, je t'adore, t'es vraiment nickel comme je te dis, super. Merci. Alors... Salut Emma, je voulais savoir si tu comptais faire une vidéo avec ton copain sur ta chaîne de vlog, ta chaîne principale. Et voilà, je t'aime pour envie. Bah du coup j'ai déjà répondu aussi. Coucou Emma, j'espère que tu vas bien. Donc pour ta FAQ, je vais te poser des petites questions. Donc voilà.
Déjà, combien de temps ça fait que t'es avec ton copain? Enfin, vous êtes ensemble depuis quand? Et est-ce que un jour, mon compteur a marqué en revenant? Bon, je vais répondre en plusieurs fois, du coup, mince, j'ai pas regardé son pseudo. Ça fait plus d'un an et pour la suite de la question, on verra plus tard. Ah. Et aussi, est-ce qu'avec Noélie, vous êtes encore meilleure amie parce qu'on vous voit plus trop ensemble, etc. Donc oui, toujours, c'est juste que bah, vu qu'on habite loin, c'est assez compliqué, genre on peut pas se voir et tout. Mais bon, elle me manque un petit peu, on s'est pas vu depuis bah, le Guide Beauty du coup. Allez, une dernière question parce que ça va déjà être long, je pense. Ouais, donc je peux que t'en envoyer à chaque fois, je dis gros bisous, mais franchement, tes vidéos, je les adore. Gros bisous! Merci beaucoup! Bon, je vais trouver une autre, une question, on va faire au pif. Allez, hop, toi. Coucou Emma, j'espère que ça va. Donc, c'est pour te dire qu'on adorait tes vidéos, t'étais trop belle. Merci. Et pour savoir si tu ferais un meet-up à Caen, en Normandie. Voilà, gros bisous! Toujours les meet-up, genre, cette question, à la limite, elle me dérange un peu parce que. En fait, je peux pas y répondre parce que je sais pas moi-même. Donc, voilà, j'aurais dû préciser, sauf les meet-up en question. Allez, une autre. Coucou Emma, j'adore tes vidéos. Est-ce que tu penses faire un meet-up en Suisse? Meet-up. Gros bisous! J'en ai marre. Vous êtes trop chaud en vrai. Mais les meet-up, la vidéo avec ton copain. En gros, j'ai eu que ça comme question. J'aurais dû dire des questions originales. Salut, donc c'était pour savoir quelle série tu regardes en ce moment. Et aussi, est-ce que tu pourrais faire des vidéos avec Lily? Pour la vidéo avec Lily, donc comme je vous l'ai dit, ça allait arriver. Et pour les séries, c'est pareil, je vais refaire une vidéo, mes séries du moment, parce que j'ai commencé plusieurs séries et j'en ai terminé quelques-unes. Donc du coup, je pense que je vais vous refaire ça. Donc voilà, là je vais laisser un petit peu mon snap ouvert, comme ça je vais pouvoir regarder vos petits snaps, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde parce que il y en a un peu des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de recevoir vos snaps et voir vos petites têtes, j'aime trop ça. Je ferai peut-être d'autres vidéos, si certaines ont l'intelligence et comprennent ce que je dise. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.